ils ont tout de même tenu à honorer ce grand rendez-vous en dépit du contexte sanitaire actuel. Les militants et cadres du parti majoritaire du Haut-Ogooué ont assuré par visioconférence leur célébration, dont l'un des points marquants fut le message du président de cette formation politique sur l'ensemble des valeurs cardinales qui, depuis 53 ans, guide l'action du PDG. Je voudrais profiter de cette occasion éminemment symbolique pour rappeler à tous nos camarades militants et sympathisants de tout âge et de tous horizons la devise de notre parti, dialogue, tolérance, paix. Trois valeurs cardinales qui continuent 53 ans après à guider nos actions et notre engagement au quotidien. Outre le discours du président du Parti démocratique gabonais, un autre point, pas des moindres, a lui aussi été évoqué, s'agissant de la sensibilisation sur la COVID-19. En dépit de toutes les restrictions et privations que nous vivons, en dépit de toute la dynamique déployée et de l'engagement de toutes les parties prenantes, le virus est toujours là. Luc Oyoubi, en tant que secrétaire provincial, n'a cessé de veiller durant cette célébration à la nécessité du respect des mesures barrières. Avec plus de 400 cas actifs, la province du Haut-Ogooué est le deuxième foyer de la pandémie de la COVID-19 au Gabon. Il était donc nécessaire de mettre l'accent sur la communication afin d'édifier l'ensemble des militants sur ce sujet d'actualité. Il n'y a que la sensibilisation pour obtenir l'adhésion de l'ensemble des militants et au-delà de l'ensemble de nos populations et des communautés étrangères qui vivent dans notre pays. Toutes les régions et départements du Haut-Ogooué ont tenu à marquer cet événement en différé du 12 mars, en dépit du contexte sanitaire qui a nécessité un dispositif particulier dans le strict respect des mesures de distanciation sociale.